Allô, c'est le début d'un nouveau vlog déménagement. Thomas est tanné de moi. Fait que là j'arrive du Carrefour Laval, je vais vous montrer. Ben ça, ça va vraiment pas ensemble, moi je suis en robe. Mais je veux juste vous montrer. Je me suis acheté ça chez Victoria's Secret. J'y trouve trop beau. Puis je vais vous montrer l'autre truc que je me suis acheté. Oh Milo! Je me suis aussi acheté cette petite bourse là. Je vais vous montrer à la lumière normale. Mais les roses est vraiment trop belle. Je pense qu'elle m'est revenue à 22$ au lieu de 48$. Il y avait vraiment des rabais. Mes pantalons, ils valaient 72$ puis ils étaient aussi en rabais. Je me souviens plus comment je les ai payés. Ensuite, je suis aussi allée chez Zara Home Maison. Puis j'ai acheté une housse de couette avec des têtes d'oreiller. Sauf que là, je vais l'installer sur le lit puis je vais voir ce que ça donne. Parce que Thomas l'aime pas. Il trouve que ça fait mamie, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais il y avait vraiment des gros rabais là. C'était 9$ pour deux têtes d'oreiller au lieu de 30$. Puis j'ai acheté ben, la housse de couette dans le fond qui va avec. Comme ça. Elle est à 39$ au lieu de, mon dieu, de 70$. Je la trouve vraiment belle. Je vais l'essayer sur le lit. Parce qu'elle, dans le fond, est toute sale. Puis Milo a tout croqué comme ça. Fait qu'elle va nous servir de couette, genre de secours, mettons. Fait que je vais essayer puis je vais vous montrer ce que ça donne. Fait que ça serait ça que la housse de couette donne. Moi, je l'aime vraiment. Là, pour 50$, là, avec les têtes d'oreiller et tout, il aurait juste à changer les draps dans le lit parce qu'ils sont vraiment sales à cause des pattes à Milo. Là, il s'apporte plus au lavage. Mais je l'aime vraiment beaucoup, là. Tu sais, le motif, c'est comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, parce que elle, je l'aimais bien, mais on peut plus avoir blanc. Fait que voilà. Bon, rebonjour. Fait que là, j'arrive de l'épicerie. Je suis allée faire une géante épicerie. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des crispers pour Tom. C'est les vinaigres, puis assaisonnés, qui est en spécial. Ensuite, j'ai pris du bacon. J'ai pris des tranches single de Kraft. J'aime mieux les tranches minces. J'ai pris ça pour mettre dans le lavage là, pour que ça sente bon. Parce que notre savon à lessive, il n'y a pas de senteur. Fait que je voudrais comme mettre ça. Je me suis acheté du feta pour mes salades. J'ai acheté une brique de fromage comme ça, bois vin. Je suis contente parce qu'on trouve du bois vin ici. C'est tellement le meilleur fromage. Il y a le cocon. J'ai acheté un melon d'eau, une moitié en fait là. La salade parce qu'on n'avait presque plus. J'ai acheté des œufs. Je me suis acheté un mini pot de beurre de pinot pour moi parce que dans le fond je peux pas prendre le même que Tom parce qu'il y a de la contamination au gluten. J'ai acheté un sac de Miss Vicky's pour moi parce qu'eux sont sans gluten puis un sac pour Tom. J'ai acheté des steaks. Je sais pas il est où le mien, là, mais pour se faire du barbecue cette semaine, j'ai acheté un beau gros steak à Tom. Yabé, une livre de beurre. J'ai acheté du jambon, puis ça, c'est le steak que je me suis pris. Il est en spécial en plus. Là. Je me suis pris des craquelins sans gluten comme ça, au fromage. Et puis, je me suis racheté une pizza aussi sans gluten. J'ai pris des petites cerises comme ça, comme jaune-orange, parce que. La mère à mon chum, elle disait que c'était full bon, là, que son ami avait dit que c'était full bon, fait que je l'ai goûté. Je me suis pris un pain sans gluten. Ça, c'est vraiment le meilleur, là, pour ceux qui sont intolérants au gluten. Cette sorte-là, c'est vraiment parfait. J'ai pris des patates comme ça pour le barbecue cette semaine. Et j'ai pris du lait et la bouffe pour le menu. Mais la bouffe, je vous la montre pas. C'est pas intéressant. Fait que... Là, je vais ranger ça, puis je vous reparle plus tard. Allô, là, il est un peu plus tard. Il est rendu peut-être 9h et quelques. Yeah. J'ai l'heure là. 9h10. Puis en ce moment, je suis dans ma salle d'esthétique. Aujourd'hui, quand je suis revenue de magasiner, Tom, il y avait quand même vidé pas mal de boîtes ici dans ma salle. Puis je vais vous montrer à quoi que ça ressemble maintenant.
Fait que ça prend forme. Là, c'est temporaire. Là. Je sais pas encore comment je vais organiser les trucs, mais le dimanche, je pense qu'il va aller là. J'ai mis ma petite couverture sleep, mais là, elle est à l'envers. Puis voilà, je la mets de l'autre côté. Avec des petits cils, là, je la trouve vraiment belle. Ce petit meuble-là, puis j'ai rangé mes trucs donc en bas. Puis ici, ça va être mes trucs de cils. Là, j'ai un petit panier, je sais pas ce que je vais mettre dedans. Il faut que je me trouve des rideaux hein, aussi. Puis c'est ça, j'ai mis mon lit d'esthétique ici. Je sais comme... Je vais sûrement changer des trucs parce que ma table d'ongles, je sais comme pas où la placer. Peut-être ici en face du garde-robe. En tout cas, je vais voir. Mais pour le moment, ça donne ça. Voilà! Allô! Là, il est rendu midi et 5. Je suis habillée, mais il fait comme un peu froid aujourd'hui. Là, je trouve ça plate. J'ai les mêmes pantalons qu'hier. Je me suis permis de les remettre vu que... Ben, je les ai achetés hier vers la fin de la journée, puis je les ai juste portés le soir. Fait que voilà. Je suis habillée vraiment peinard. Aujourd'hui, j'ai un beau projet. Là, je m'en vais chez Walmart m'acheter une machine à coudre et focus et du tissu. Je vais aller dans un magasin de tissu, puis probablement chez Walmart aussi. Puis je veux fabriquer des scrunchies, puis peut-être si je suis bonne, puis que ça va bien, peut-être essayer de fabriquer des foulards pour chien. Si tout va bien, je pourrais peut-être, puis si ça devient beau mes trucs, je pourrais peut-être me créer un Instagram pour m'en vendre. En tout cas, je vais voir ça, mais pour le moment, c'est vraiment juste pour le fun. Puis parce que ça me tente, ça fait vraiment longtemps. Fait que je m'en vais faire ça, puis je vous apporte avec nous. Aujourd'hui, on va sûrement poser les étagères enfin. Fait que, ben c'est ça! Let's go! Je suis la pige, je vous ai pas reparlé hier parce que finalement, j'étais allée m'acheter ma machine à coudre! Puis là, j'arrête pas d'en faire depuis hier. Hier, j'ai fait des scrunchies, comme ça ici, focus. J'ai fait celui-là, celui-là. Ah, puis j'en ai un autre, mais il est dans la salle de bain. Puis j'ai fait un test de foulard pour chien, je vais vous montrer. C'est celui-là, comme ça. Sauf que... je vais faire un... Ça va être mon testeur, dans le fond, parce que j'ai mis des boutons pression. Mais je comprends pas comment ils marchent, ceux-là. C'est vraiment bizarre. En tout cas, je peux comme pas les... c'est comme deux pics, là, ça rentre pas. Mais ça va être des foulards réversibles, comme ça. Puis je pense que je vais faire double couture ici. Fait que c'est ça. Mais là, tantôt, je suis allée m'acheter d'autres petits trucs comme ça. Je vais vous montrer les tissus que je me suis achetés. Bon, fait que je me suis placée comme ça pour pouvoir vous montrer les tissus que j'ai achetés. Je suis allée en racheter d'autres ce matin, vu que je suis vraiment à fond dedans. Puis là, j'ai posté mes choux sur Instagram, puis vous étiez vraiment beaucoup à me demander si j'allais en vendre et tout. Fait que je me suis créé un Instagram. Je débute, fait que c'est à prendre en considération. Mais je vous le mets juste ici. C'est Pitou Minou NU, vu que je fais des petits choux, puis des fleurs pour chien, puis pour chat. Ben, j'ai décidé que le nom, ça allait être Pitou Minou NU. Je trouvais ça vraiment cute. Puis là, je vais vous montrer les tissus, là. C'est trop blabla. C'est censé être un vlog de déménagement, tu sais. Fait que j'ai pris ce tissu-là. J'ai pris celui-là. Ça, je les ai pris chez Tissu Roger. Lui, je l'ai pris chez Walmart. Lui aussi chez Walmart. Après ça, lui aussi chez Walmart, mais je l'ai vu chez Tissu Roger. Lui chez Tissu Roger. Lui chez Tissu Roger aussi. Après ça, j'ai pris lui chez Walmart. Lui chez Walmart. Oh, lui chez Walmart. Puis là, ce matin, je suis retournée chez Tissu Roger. J'ai pris celui-là. Il va être beau pour faire des chouches, mais je l'ai surtout pris pour faire des fleurs pour chiens. Ensuite, j'ai pris lui. Je le trouvais vraiment beau. C'est des petites fleurs. Comme ça. J'ai pris celui-là pour faire des fleurs pour chiens. J'ai pris celui-là, ça va être beau pour faire des fleurs pour chiens et des choux. Et celui-là aussi, des fleurs pour chiens et des choux, comme ça. Fait que j'ai trouvé vraiment trop beau. Puis je me suis pris une petite machine à coudre, là, vraiment bien simple. J'ai vraiment acheté comme plein de petits trucs, là, des boutons pression, une pince pour mettre les boutons pression et tout. Toutes des petites affaires que j'avais besoin. Puis là, ben, je vais essayer de faire des fleurs pour chiens. Ah, puis aussi, je voulais vous montrer, j'ai passé une commande Amazon. Finalement, je me suis acheté ma planche de bain. Je l'ai commandée, ok, hier la nuit, comme. Vous comprenez-tu? Dans le fond, c'était comme avant hier, vu que je n'étais pas encore couchée, mais c'est hier. Fait que c'est arrivé en une journée.
Fait que je me suis commandé un plateau de vin. On va l'ouvrir ensemble. Bon, ok, je suis allée l'ouvrir. Ça m'a pris des ciseaux. Ah, wow! Ça, c'est mon plateau pour le bain. Il me semble qu'il était 50$ de quoi du genre. Je vais essayer de vous mettre les liens des trucs que j'ai commandés dans la barre d'infos. Puis j'avais Amazon Prime. En tout cas. Oh, wow! Fait que ça, c'est mon plateau de bain. Puis il s'agrandit. Là, je le déballerai pas, là. Mais vous voyez bien, je vais vous le montrer, mais qu'ils soient installés sur mon bain parce que c'est sûr que je vais l'essayer ce soir. Mais voilà! Fait que ça, c'est mon petit plateau de bain. Puis là, j'ai les cheveux mouillés parce que j'arrive de me faire bronzer. Fait que je suis en train de prendre ma douche. J'étais toute huileuse. Là, les autres trucs que j'ai commandés sur Amazon, c'était des trucs pour les cils, je vais vous montrer. Je vais vous placer là, ça va être mieux. Puis dans le fond, ça c'est arrivé ce matin aussi, sauf pas en même temps. Genre, j'ai reçu ce colis-là en premier, puis une heure plus tard, j'ai reçu mon plateau de bain. Ben ça, c'est des trucs pour les cils. J'ai commandé des patchs. C'est mes patchs préférés d'extension de cils. Fait que si vous êtes technicienne d'extension de cils, ceux-là, ils font vraiment bien. J'ai commandé un shitload de petites brosses à extension de cils, puis à la schliff. Et j'ai commandé un petit fan, un petit ventilateur USB pour sécher les petits cils, pour éviter les vapeurs de colle. Je le trouve vraiment beau, il y avait rose pâle puis noir, mais j'aimais bien lui. Fait que voilà, il fait super bien. Fait que c'était mes petits achats Amazon. Puis là, tantôt on va sûrement poser les tablettes. Puis, eh bien, c'est ça. La salle d'esthétique, elle a pas encore avancé. Ben depuis que je vous l'ai montré en fait là. Fait que, ben voilà. Et vraiment plus tard dans la journée, la tablette est enfin posée. Il me reste à la décorer. Là, on va faire ça demain ensemble. Puis je vais vous montrer ce que mon plateau de bain donne. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, je suis en train de me faire couler un bain, justement. Thomas est tout en train de me voler mon melon d'eau. Il est en train de manger tout mon melon d'eau. Puis, ben c'est ça, là, on va se reparler demain. J'ai passé comme la journée à faire de la couture, les amis. Puis, je me suis fait un petit peu bronzée. Fait que c'est pour ça que je vous parle pas beaucoup ces temps-ci. Mais c'est ça, le gros de l'appartement est pas mal fait, là. C'est juste des petits blabla ici et là, comme des tablettes. Puis là, demain, je vais essayer de monter ça ici. Fait que voilà, on se reparle demain. Et là, on est encore le lendemain. Là, la journée est encore avancée. Il fait vraiment beau ces temps-ci. Fait que j'aime vraiment ça comme profiter de mes journées. Je me suis encore fait bronzer. Là, il est 3h30. Je viens juste de sortir de la douche. Je me suis lavé les cheveux puis lavé parce que je m'avais mis de l'huile. Puis là, je vais vous montrer. À date, j'ai mis une petite plante sur ma tablette. Je sais pas si c'est elle que je vais laisser là, mais je pense que oui, parce qu'elle a fini par pendre là, fait que je pense que ça peut vraiment faire beau. Puis là, tantôt, parce que je vais un petit peu faire de la couture, vous me direz, ok, si vous êtes vraiment, vous aimez ça, me voir parler de couture ou quoi que ce soit, mais pour vrai, ça pogne vraiment plus que je pensais. Puis là, genre, j'ai plein de commandes, fait que je capote un petit peu, je suis vraiment contente, mais comme, oh my god, je m'attendais pas à ça, tu sais. Fait que je suis retournée m'acheter du tissu ce matin. Parce que tout le monde prend le même. Fait que là, je suis allée me racheter. Dans le fond, ça, c'est un petit foulard que j'ai fait. C'est celui-là pour Chloé. Dans le fond, je fais des foulards réversibles comme ça. Puis quand je l'ai mis dans ma story, tout le monde a capoté. Puis là, ils veulent tout ce tissu-là. Fait que je suis allée me racheter du tissu fraise. J'en ai pris aussi plus pour les garçons. Là, je vais vous montrer. J'ai pris du tissu plus pour les garçons comme ça. J'ai repris ce tissu-là parce qu'il est vraiment populaire dans les choux. J'ai repris les abeilles parce qu'il est vraiment populaire aussi. Puis les fraises, là, c'est vraiment mon plus populaire. J'ai repris lui aussi parce qu'il est populaire dans les choux. Et puis, j'ai repris celui-là aussi. J'ai repris plein de paquets de lui. Ça, c'est chez Walmart, là. C'est pas dans le magasin de tissus. Fait que j'ai comme repris plein de tissus. Puis je me suis pris... J'avais pas la bonne pince. J'ai dépensé ça pour rien parce que ça me servira à rien. C'est elle qu'il me faut pour les boutons, mais j'avais juste à lire, là, c'était écrit dessus, puis elle aussi, c'était écrit dessus. J'ai juste pris la première sur le bord, mais là, ça va faire, là, avec mes petites pinces comme ça. Fait que là, c'est ça, je suis vraiment contente ce matin, c'est ça que j'ai fait. Je suis retournée chez Tissu Roger, c'est rendu que les filles là-bas me connaissent. Ils sont genre, « Hey, salut, encore toi! » Là, je suis comme, « Hey, oui, la folle au-dessus, c'est moi! » Puis là, ben c'est ça.
il fait tellement chaud, il fait comme 30 degrés et plus. Fait que là, je vais courir un peu. Puis quand Tom va arriver, je pense qu'il voulait monter ça. J'ai pas pu vous montrer quand Tom faisait le ça. Il était comme gêné là, hier, ça ne tentait pas trop. Puis c'est bien correct, là, je respecte ça. Fait que ben c'est ça. Puis là, hier, c'était super le fun. Là, on s'est fait un petit barbecue. Fait que, voilà! Ça s'en vient pas mal fini là, les vlogs déménagement, mais vous me direz si vous voulez quand même que je continue de vlogger puis que je vous montre ce que je fais. T'sais, comme là je suis full dans la couture, si vous aimez ça je peux continuer de faire des vlogs puis t'sais, ma petite vie avec les plantes et tout. Fait que ben c'est ça, fait qu'on se reparle tantôt, promis. Promis. Bon, fait que là c'est le moment de choisir ce que je vais placer sur cette tablette là. Fait que là je vais partir à la recherche de décoration. Je vais prendre toutes eux que je pense qu'ils pourraient fitter, puis je vais vous montrer. Puis on va décider ça. Let's go! On dirait que j'hésite entre ça. Puis ça, dans le fond, je peux mettre de l'eau dedans puis mettre une petite plante là dedans. Sauf que là, j'ai pas encore de pousse. Là, je vais attendre d'avoir une pousse. Mais j'hésite, vous me direz dans les commentaires là, ce qui serait le plus beau. Je suis pas la meilleure comme pour faire des tablettes, fait que ouais. Je pense comme ça, j'aime bien ça. Puis là, j'ai retrouvé ça. Ceux qui me suivent depuis un petit bout, vous le savez, c'était dans mon ancienne chambre, à mon ancien appart, en arrière du lit. Je me demande si ça serait pas beau de les mettre comme, qui descendent comme ça. Les autres sont là. Je ferai pas ça ce soir, je vais peut-être plus faire ça demain, mais ils sont comme toutes mêlées vu que c'est du fil de pêche, juste comme un petit DIY que j'avais fait avec des fleurs du Dollarama et du fil de pêche. Mais vous me direz aussi si ça fait beau. Fait qu'on va sûrement essayer ça demain, mais là pour le moment, moins. J'aimerais peut-être ça, mais j'ai trouvé ça aussi, comme une petite lumière là, mais elle allume pas fort. Mais comme, je sais pas si je pourrais comme la mettre sur mes tablettes là. Pas ça, mais il y en a une de brisée à cause du déménagement. J'aime juste pas ça, là, l'affaire qui prend comme ça. Ah. Bon, ben on va oublier ça. Il y en a une qui a cassé. Fait que... Ouais. Ah, ben c'est justement elle qui était déjà cassée, je crois. Mais en tout cas, on va oublier ça. Je vais en mettre donc là, des fairy lights qui pendent. Pour le moment, mon étagère, je vais mettre ça, mais ça risque vraiment de changer, là, comment je file et tout. Mon chum, il aimait mieux ça, mais moi, on dirait que j'aimais mieux l'autre chose. Fait que vous me direz lequel qui est le mieux. Voilà. Il est fâché parce que je l'ai dérangé sa sieste, mais ça, c'est le petit fleur que j'y ai fait. Comme ça, puis irréversible avec du carotté comme ça. Fait que je suis bien contente. Puis là, je vais retourner faire ça justement vu que j'ai eu plein de commandes. Fait que... On se reparle plus tard. On est allé au parc à chiens, on a découvert un petit peu notre quartier là. On est allé au parc à chiens à Blainville, puis c'était tellement le fun pour vrai. Il était plus petit que lui à Chicoutimi, mais c'est le fun parce que je sais pas si vous avez vu dans les petits clips que je vous ai tournés, mais il y avait des arbres, puis il y avait des petites tables, puis il y avait des modules pour les chiens. Milo a capoté là, il est brûlé, il dort depuis qu'on est revenu. Puis après ça, on est vraiment allé se promener dans les beaux quartiers à Blainville, on regardait les maisons et tout. Ça nous a donné des petites idées là, tu sais, on sait ce qu'on veut, mettons, quand on va être rendu là. C'est vraiment vraiment pas pour bientôt, là, vraiment pas, là, on est au moins pour 2 ans dans notre appartement ici quand on va venir son cours. Mais c'est ça, on commence à voir
ben, ce qu'on veut. Là, tu sais, on a aimé ça, on s'est promené, ça nous a fait découvrir le quartier en même temps. Puis on a vu des belles maisons, puis des trucs qu'on aimerait. Fait que c'était bien, bien fun. Puis là, devinez ce que je fais? De la couture encore. C'est tellement ma nouvelle passion. Je capote. Je capote. Genre, je me lève le matin et j'ai hâte d'en faire. J'ai encore eu plein de commandes. Un gros merci à tout le monde. Puis là, j'ai l'impression que mon vlog tourne moins autour du déménagement qu'avant, mais c'est parce que j'ai vraiment moins de choses à faire ben, qu'au début, c'est sûr. Là, c'est pas mal le dernier vlog déménagement que vous allez voir. Mais c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer les petites créations que j'ai faites. Je vais mettre ça là. Bon, ça, c'est des commandes préparées, là, mais je vais les sortir des sacs, dans le fond. Comme ça, dans le fond, c'est un X-Mall. Le petit foulard est comme ça. Il est réversible. Avec les petits renards, comme ça. J'ai mis un petit bouton. Ensuite, ce sera pas bien long, je vais vous en montrer d'autres. Ah, j'ai celui-là, mais dans le fond, c'était censé être lui, mais je me suis trompée d'autres tissus en arrière, là. Mais comme ça. C'est jaune. La luminosité fait vraiment jaune parce qu'il pleut dehors. Il fait super sombre. Fait que c'est pour ça. Ensuite, je vais vous montrer mon préféré, ok? Mes genre préféré. C'est lequel? C'est celui-là. Avec les petites fraises, là, comme ça. Puis les petits pois roses. Lui, il est vraiment beaucoup populaire. Il y a aussi le tissu abeille, là, que, pour vrai, j'arrête pas d'en faire, là. Je vais vous montrer. Une chance que j'en ai racheté, parce que le tissu abeille, ça, c'est comme j'ai fait en Milo. Milo, il y a celui-là, avec, mon Dieu, avec un autre, je me souviens plus lequel. Puis de l'autre côté, c'est comme ça. Ça, c'est un small. Je mets des petits boutons comme ça. Fait que c'est un petit peu une petite idée de mes créations. Puis là, j'ai fait des choux aussi. Ça, mettons, c'est une commande de choux de prête, là, si vous les voyez un petit peu. Fait que je suis bien contente. J'aime ça. Puis ça m'encourage full, là. Tu sais, le fait que j'ai eu plein de commandes, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est comme. Crème, ok. Fait que. Ben, c'est ça. Je vais vous reparler plus tard. Hey! Ça fait une semaine que je n'ai pas parlé. Mais on arrive de chez Walmart. Vous doutez bien que j'ai pas encore monté la chaise. Je suis tellement la pire. Ça n'a pas de sens. J'ai eu un relâchement complet pendant la dernière semaine. Mais là, on arrive de chez Walmart. On n'avait pas du tout prévu acheter ça. Mais vous voyez, on a acheté une petite bibliothèque pour ce coin-là. Là, ce matin, on a tout fait le ménage. C'est vraiment pas prévu là, qu'on achète ça. On est juste allé chez Walmart acheter une chaise de camping. Puis on a vu une petite bibliothèque à 30$, pareil comme on voulait. Fait que c'est dit go. Fait que là, ben, on va monter ça. C'est pas ce que dit. Ça a serré, là, mais c'est ça. Puis il manque mes livres after que je vais venir mettre ici. Fait que voilà. Puis là, Tom est en train de monter l'autre petit banc pour aller à côté de lui. Enfin, enfin. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne après. Voilà! Là, il est pas mal plus tard. J'ai filmé une vidéo, mais je sais pas si la luminosité va être belle là, parce que j'ai pas encore ma nouvelle ring light. D'ailleurs, je pense que je vais me l'acheter
direct après que j'avais fini de tourner la vidéo. Mais je voulais vous montrer, finalement, ma bibliothèque. J'ai mis mon jeu de tarot dessus, fait que je trouve vraiment ça beau. À côté avec, c'est ça là, ma plante et ma petite bibliothèque. Puis là, je pense que je vais m'apprêter à installer enfin mes lumières alentour de mon balcon. Là, je vous avais dit que je vous montrais les deux bancs ensemble. Ça donne quoi? Mais là, si on oublie le bordel, ça, c'est ce que les deux bancs donnent. Puis je crois qu'il était comme 20$ chez Ikea, fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que là, je vous amène avec moi, puis on va essayer, je dis bien essayer, d'installer ça. Allô, là, on est un autre jour. J'ai pas été capable de les poser la dernière fois parce qu'il faut genre des crochets ou comme du tape pour accrocher en haut là. Mais là, Tom, il est allé acheter au Dollarama du gros tape, fait que c'est censé tenir. Let's go! Donne avec les lumières du soir. Puis là, ben, je vais arrêter le vlog ici parce qu'il s'en vient assez long. Puis là, il faut que je commence le montage. J'espère que vous avez aimé. C'était le dernier vlog déménagement. C'est sûr que dans les autres vlogs, vous allez voir des petits plus que je vais ajouter à l'appartement. Si j'ai pas tout fini, là, ma salle d'esthétique, je vais vous le montrer en update dans d'autres vlogs et tout. Mais le plus gros est fait, le déménagement est fini. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci de m'avoir suivi dans mon déménagement. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.